c'est Jean-Jacques Galli et je suis responsable du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Piste depuis 1983, il a été créé par André Sabas et le thème de ce rallye, c'est la commémoration de l'histoire de l'aéropostale qui était une ligne aérienne qui partait de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal à partir de 1925. Bien sûr, nous avons donc suivi les escales qui étaient à l'époque les escales de l'aéropostale. Nous sommes partis de Toulouse, nous nous sommes arrêtés à Alicante en Espagne, puis à Tanger, puis à Agadir, ensuite à Tarfaya qui à l'époque s'appelait Cap Juby, ensuite à Dakhla qui à l'époque s'appelait Villa Cisneros, puis à Nouakchott et enfin arrivé à Saint-Louis du Sénégal hier après-midi. Nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de nos possibilités, d'apporter, en général, ce sont des médicaments. Donc on apporte, on distribue à chaque participant des cartons de médicaments que nous apportons au Sénégal. Également, nous avons une autre action cette année, c'est des baptêmes de l'air. Nous avons fait voler 50 enfants de Saint-Louis avec nos avions. On leur a fait faire le tour de Saint-Louis. Pour la plupart, je suppose que c'était leur première fois qu'ils montaient dans un avion. Et je crois que ça a été un succès. Les enfants étaient ravis. Voilà. Et puis on a une autre action, mais ça c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a 15 ans. C'était une jeune fille de Saint-Louis qui s'appelle Fabala Fall, qui était très gravement malade, elle avait 2 ans, son père est venu nous trouver et nous a dit « Ma fille est très très malade, vous devez faire quelque chose. » Et nous avons mené une action de grande ampleur, parce que c'était très compliqué, il a fallu la mener à plusieurs reprises en France pour la soigner. Et cette jeune fille est aujourd'hui, va passer le bac cette année, elle est en terminale et elle va très bien. Voilà, ça c'est peut-être notre plus belle action depuis que le rallye existe. Tout est possible, nous sommes ouverts à toutes les propositions. La question, en ce qui nous concerne, c'est le poids. On ne peut pas transporter beaucoup de poids dans nos avions qui sont des petits avions et qui sont déjà en surcharge simplement avec les passagers et l'essence. Donc les actions que nous menons, elles sont modestes, mais nous continuerons dans la mesure de nos moyens, bien sûr, à les mener pour aider les gens. Il y a également eu, je ne vous l'ai pas dit, une conférence hier soir qui a été menée à l'hôpital de Saint-Louis par un des participants du rallye, qui est un médecin anesthésiste, et qui a fait une conférence en collaboration avec un pilote de ligne pour montrer le parallèle entre les mesures de sécurité dans les blocs opératoires et dans les cockpits d'avions de ligne, pour montrer que les mêmes procédures permettent de diminuer les risques et d'empêcher les accidents. Ça a eu lieu à l'hôpital de Saint-Louis hier soir. Merci. Voilà.